Le Tour de la Provence, c'est pas une course World Tour. Donc d'avoir un plateau aussi impressionnant en ayant des équipes Pro Tour, c'est très très rare. On voit pratiquement jamais ça. C'est-à-dire qu'au départ là, du Tour de la Provence, on va avoir la formation Sky, on va avoir Movistar, on va avoir Deceuninck, Quick-Step avec des garçons comme Philippe Gilbert, Yves Lampaert, le champion de Belgique. On va avoir des leaders français évidemment avec Thibaut Pinot qui seront là pour aller chercher ce beau trophée. On aura des coureurs comme Tony Galopin, comme Warren Barguil. Donc pour une course de reprise pour pas mal de coureurs, on va avoir un super plateau avec un beau parcours en plus. Donc côté sportif, on n'est pas du tout inquiet.